Et bonjour tout le monde, salut les petits loupis. Hop, tout va bien, ouais, hop. Je refresh ça. Wizbot est dans les choux, les loulous. Je m'y attendais pas du tout. Je vais baisser un peu la musique. Voilà, parfait. Salut Shadow Nico, salut Skepticalion, comment vous allez? Bienvenue sur ce stream incroyable. Aujourd'hui, on va tester un autre jeu. J'ai fait mon petit café là, je travaille de nuit. C'est pour ça que j'ai lancé si tôt mon live. Comment ça va les loupis? Hop. Par contre, je suis vraiment étonné. Genre, il y a vraiment. On est vraiment pas beaucoup quoi. Bonjour. Alors, attendez. Hop. Je dois juste changer les filtres de ce truc là. Je vais vous raconter un peu pourquoi. Ah merde, bah c'est pas du tout ça en fait. N'en débougez pas. Propriété. Filtre. Voilà, hop, je les enlève. Tac, tac, hop. Hop, et comme ça, je peux switcher sur la scène ici. Parfait. Petit à petite capture de jeu. Hop, et bon anniversaire à toi, Skepticalion. Du coup, c'est ton anniv. Comment ça va? Tu fais quoi de t'as quoi de prévu aujourd'hui du coup? Du coup, je vais vous présenter ce jeu là aujourd'hui. C'est un god game qu'on appelle. En gros, tu joues un peu une divinité au-dessus. Et tu gères une civilisation. Et ce qui est bien en fait avec ce jeu, c'est que le stream peut participer, créer des personnages, tout ça, tout ça. Et du coup, ça peut être vachement sympa. Je voulais trouver un jeu avec un petit peu d'interaction avec le chat et tout. Et du coup, j'ai trouvé celui-là qui m'a l'air vraiment pas mal. Wally Walou. Merci, je viens de me lever, il est 10h. Ah oui, t'es de... D'accord. 40 cm, c'est toi qui as mis la photo là sur Discord, il me semble. Bon, c'est où que t'as mis ça? Dans photo IRL peut-être? Hop. Ah non, c'était Zertop. Mais apparemment, Canada, vous avez pris un bon gros centimètre là. Non, je vais en mettre une tantôt. Bah ouais, d'accord, ça marche. Ah bah du coup, pour sortir, c'est pas... c'est pas le mieux, mon loulou, hein. Bah après, tu peux... T'as le week-end pour le fêter aussi. Ça, c'est bien. Du coup, je vais vous expliquer un peu comment ça marche. En gros, voilà, vous gérez une civilisation. Alors, je me demande si je fais un enregistrement en même temps, si ça déconnerait ou pas. Salut Elodie Motard, comment tu vas? C'est la merde en gros, bah ouais. Et là, les gens ils peuvent. Quand c'est comme ça, vous allez travailler ou pas, genre? Que du coup, vous perdez pas mal de jours de travail, quoi. Salut Elodie, comment tu vas? Bienvenue, bienvenue. J'attends un petit peu que des gens arrivent parce que. Enfin, comme vous participez au truc, ça serait bien qu'il y ait un peu de monde, quoi. Ça serait sympathique. Et je vais vous expliquer en gros dans le chat, vous allez voir, il va y avoir des commandes qui vont tomber. Et vous pourrez rejoindre la partie, avoir votre bonhomme à vous. Et puis plus vous êtes dans la partie, plus vous accumulez des points pour faire des actions en fait. Et vous allez voir dans les commandes, c'est assez simple. Ça va, très fatigué. Qu'est-ce que t'as fait encore Elodie? T'es sorti? Salut Zico. Wizbot ne marche pas, hein, il est en maintenance. J'ai un message là, ils ont fait à 3h30, ils sont en maintenance là. Donc à partir de maintenant, suite à un nouveau problème logistique, nous allons procéder à une partie de maintenance qui va réduire le temps de la coupure. Cependant, une seconde maintenance va avoir lieu la semaine prochaine. C'est jusqu'à 17h normalement. Attends, bah non. Ah si, si, si. 27 au 28, 13h à 17h. 13h du 27 jusqu'au... Wouah! Bah non. Aucune coupure de service prévue pour aujourd'hui. Ouais, en gros, Wizbot, ils sont vraiment dans les choux, là.
Non, je travaillais ce matin. Ah ouais, d'accord. Du coup, t'es un petit peu morte. Toutes les routes sont fermées depuis hier midi, heure du Québec. D'accord. Ah ouais. Bah, au moins, tu restes chill à la maison, quoi. Du moment qu'Internet va encore. Du coup, je vais vous montrer comment ça marche. On va jouer ensemble. Je vais faire une nouvelle partie. Et normalement, ça va popper. Ça va faire popper un truc sur le chat. Espérant que ça marche. Oui, et demain, ça sera pire. Tu travailles samedi en plus? Moi, je travaille de. Bah, je travaille cette nuit. Je travaille cette nuit, je travaille demain. Enfin, je travaille jusqu'à mardi de nuit. Mais après, je suis tranquille, j'ai des petits repos et tout, sans problème, quoi. Pépère. Pépouze. Wake up. Wake up, creator. This is the beginning of your story. It starts with nothing. Nothing but an infinite void. However, you, with a single touch, can awaken the light. Je dois toucher. Incroyable. And so the universe sprang into worlds filled with endless potential were scattered into. They formed into many different shapes and sizes. And while most were doomed to drift among the cosmos, others flourished. These few things soon became home to the greatest phenomena. However, life is a peculiar thing. It comes and goes as swiftly as a bit of space debris burning. A creator's purpose was always that of an observer, to simply admire the fleeting beauty of life's beginnings and ends. Yet, this balance could never last. The issue with allowing a species to evolve independently. For life to have a better chance of succeeding, it needs a help. Ah, here we are. Welcome to Mother Planet. This is a rare sight. For it came to be that there was day and night. Warmth and cold. And water to flow through the planet's veins. The soil was rich with minerals, which gave rise to a thick blanket of green. The perfect ecosystem was formed. It is no wonder, then, why life has chosen to inhabit it. A new species has been born, and they need guidance. This is your purpose now. Their very existence rests in your hands. Du coup, voilà, c'est la petite présentation en gros. Voilà, sur ce jeu, on va jouer Dieu, tout simplement. Voilà. Et voilà, une nouvelle planète vient de d'être prête pour accueillir l'humanité, voyez-vous. Et ce qui est bien en fait, c'est que vous pourrez participer. Attendez, je vais connecter. Je vais connecter, voilà, ça va un peu spam, attention, salut pistache. Et en gros là, vous avez toutes les commandes. Vous passez, pour créer votre nugget, en fait le nugget c'est les humains, si vous préférez. Vous faites la première commande qui est, dièse. Ouais, c'est dièse ça. Dièse create nugget. Par exemple, regardez, moi si je veux créer mon nugget, tu vois, je fais dièse. Ou hashtag, pour ceux qui connaissent. Create nugget, voilà. Et normalement, il devrait me répondre si tout va bien. Est-ce que ça marche? Comment tu veux, pistache? Bon, je regarde s'il est bien connecté aussi. Connect, il est mince. On dirait qu'il s'est pas connecté.
Bah nickel toi, ouais ça va. Voilà, il déconne un peu. Là je suis en disconnect, ça veut dire que je suis connecté. Ok. Et du coup si je fais ça. Ah peut-être que la commande pour avant qu'elle se mette, je dois d'abord faire ça. Alors je dois mettre mon épicentre, ouais je pense que c'est logique. Ouais parce que là j'ai aucun HUD, ouais c'est pour ça. Du coup on va trouver un petit endroit pour poser notre base, il faut qu'on soit pas loin de l'eau, j'imagine. Hop, 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 hop. Ah bah là ça peut être très joli. Je pense qu'ici ça peut être vraiment pas mal. Mais c'est pas très grand. Alors on voit plus grand et on se met au milieu de la forêt là, il y a des petits lacs et tout. On va commencer là. Hop, oui. Take a look at your new subjects. They're called nuggets. Largely voilà, ça c'est les humains. Du coup, j'en ai deux, j'ai Élu et Adaï. Et maintenant, si je tape la commande Create Nuggets. Salut Belzébuth. Voilà, vous voyez, je suis là, petit bouchon, en attente de naissance. Vous avez vu? Du coup, vous pouvez taper cette commande-là. Voilà, Elodie, The Froy. Voilà, vos bébés vont arriver. Quand mes petits bonhommes, ils auront fait des bébés, et ben en fait, vous allez naître et vous allez voir un compteur de points pour faire des actions. Du coup, vous pouvez voir les actions, elles sont là. Vous pouvez faire pas mal de choses, quoi. Salut Fury. Ce jeu a l'air trop cool. Ouais, c'est beaucoup trop bien, en fait. Et c'est pas du tout mis en avant, ce jeu-là, alors que c'est beaucoup trop bien. Du coup, voilà, Booba Shaka. Booba Shaka aussi qui vient en position 5. Merci beaucoup. Alors, voilà, vous pouvez voir qu'ils sont assez indépendants. Là, ils vont se construire une petite résidence. Et moi, je vais faire en sorte de me mettre des recherches, voilà. Voilà, du coup, là, c'est un arbre de recherche. Et au fil du temps de ma partie, tu vois, on peut voir qu'il est juste énorme. Et ben, je vais débloquer des bâtiments, je vais débloquer des améliorations, des choses. Et petit à petit, bah, civilisation va devenir énorme. Mais ce n'est pas tout. Il va être très important aussi. C'est de faire en sorte qu'il t'apprécie et qu'il te vénère un petit peu pour gagner des points de pouvoir ici. Qui vont te permettre tout simplement de lancer des pouvoirs. Oui, regardez juste ici en bas. Hop, vous avez des pouvoirs. Là pour l'instant, j'ai pas assez de foi, entre guillemets, les points de foi qui sont là. J'ai pas assez de points de foi, du coup, ça m'empêche de lancer les pouvoirs. Mais sinon, je peux faire quoi? Je peux faire la pluie, le feu, une frappe météorologique, une tornade, tempête. Non, en influence, j'ai télékinésie. Cupidon, je peux rendre les gens amoureux. Par exemple, je vais faire toi, t'es amoureux avec toi. Et du coup, ils vont me faire des bébés. Du coup, les petits viewers, voyez-vous, vous allez faire des petits bébés pour moi. Changement de saison, coup de boost, électrisé, éclair de joie. Guérison, dôme de protection si jamais ils ont des météorites par exemple, tu peux les protéger, et reboisement pour replanter des arbres. En fait. This is quite a beautiful planet. Oh, vous êtes beaucoup. Le livre de l'amour. Alors, cher créateur, ça c'est mes premiers humains qui me parlent. Bonjour. Nous ne voulons pas donner l'impression de nous plaindre, mais nous avons du mal à faire tout le travail à juste nous deux. Y a-t-il moyen d'élargir notre civilisation, peut-être en donnant quelques coups de main supplémentaires? Utiliser le pouvoir Cupidon pour augmenter la population. J'espère sincèrement qu'il y a un moyen facile d'y parvenir. Une façon qui n'implique pas des mois d'inconfort et des envies étranges suivies des heures de douleur atroce. On va voir ce qu'on peut faire, hein. Alors du coup, je choisis mon pouvoir Cupidon. Je clique là et je clique là. Attends. Voilà, là je les ai rendus amoureux. Hop, vous pouvez voir, j'ai des petites notifications. Leur foi a augmenté parce que j'ai répondu à leur mission. Parfait. Menu de construction, les bâtiments. Ça, c'est des tips. Voilà. Et du coup, là, ils sont en train de faire un bébé, comme vous pouvez voir. Et il y a un des viewers de la liste, du coup, dans l'ordre, qui va sortir. Et ça sera vous. Salut, Morades. Ils font quoi? Ouais, ils se battent. Laisse tomber, c'est pas... Voilà. Et voilà, du coup, oh, ils en ont fait deux. Alors, petit bouchon, petite fille, qui est neutre, d'accord, qui a rien de remarquable, et Elodie qui est là, qui est neutre aussi. Bon. Voilà, du coup, il y a petit bouchon et Elodie là, qui sont en train de se balader. Ils ont rejoint un petit peu notre village. Je vais enlever le... En son, c'est très bien, mais je vais enlever la narration, là, il me saoule.
Je ne veux plus t'entendre. Tout de suite, Jimmy On, mais je l'ai. Je vois rien de. Je vois rien de particulier, c'est dommage. Voilà. You like them then. Mais je viens de t'enlever la narration. C'est peut-être les. Jus de nugget, je sais pas ce que c'est. Voix de Dieu. Ah, mais c'est pas voix avec un X. Arrête. Ok. Du coup, on va construire des bâtiments. Hein. Je fais des recherches. Qu'est-ce qu'on peut construire? Les archives. On va construire les archives. En fait, c'est le bâtiment qui te permet de sauvegarder. En fait, sans bâtiment, si t'as pas de. Si t'as pas de nuggets qui travaillent dedans, tu peux pas sauvegarder ta partie. Du coup, les archives, bon, on va les mettre là-bas, dans un coin. Hop. Un peu à l'extérieur de la ville. Mais ce qu'il nous faut surtout, hop, c'est construire des trucs pour qu'ils aient de l'eau. Oh, c'est très mobile. Pompe à eau, ici. Y a pas un lac un peu plus proche? Voir, je peux dézoomer à l'infini. Hein. Bon, bah, je vais aller là, c'est bien. Hop. Petite pompe à eau. Si vous êtes perdu, ouais, j'ai un petit bouton qui est. Qui est où? Je le vois pas. Ah, ouais, qui est ici. Hop, et ça me fait retourner direct sur ma maison. Voilà, pompe à eau, c'est lancé. Les archives, c'est en cours. Voilà, là ils disent ouais, il n'y a pas de personne qui travaille là-dedans. Mais avant, je veux construire tout ce dont j'ai besoin. Un puits pour qu'ils puissent boire. Je vais le mettre là. Voilà. Et puis en dernier, il me faudra un réservoir. Mais je suis en train de faire la recherche là, actuellement. Voilà. Faut voir, pour les bâtiments, il y a plusieurs catégories épicentes. Service public, gestion de ressources, fabrication, défense. Parce que oui, il y aura d'autres civilisations qui vont venir nous attaquer. Loisirs et puis bâtiments légendaires pour faire un petit peu la hype. Alors qu'est-ce qu'ils font les petits loulous? Petit bouchon, petite fille. Vous pouvez choisir votre genre, votre genre aussi parce que. Parce qu'en fait, vous pouvez. En tapant mâle ou femelle, juste à côté de votre crête nugget, vous pouvez. Vous pouvez être un garçon ou une fille, choisir en fait. Mais du coup, ça va faire des consanguins. Bah écoute, je pense qu'à la base, on vient de tous à peu près. à la base, voyez-vous. Oui, il y aura un peu de consanguinité. C'est Nord-Pas-de-Calais RP aujourd'hui. Salut Stokia. Stokia, n'hésitez pas à créer votre nugget. Hein. Faites hashtag create nugget. Et vous pourrez rejoindre la partie juste là, vous voyez. On peut voir là par exemple, vous avez votre action qui est là. Tibouchon, mine des pierres. Elodie, elle fait quoi? Elle mine des pierres aussi. Sans doute pour construire les bâtiments. Aux archives, on va faire travailler quelqu'un. On va faire travailler Élu. Voilà. Et comme ça, je pourrais sauvegarder ma partie en fait. Comment on va appeler? Hop, depuis qu'on joue au jeu d'école de magie, moi, tout ce que mes bâtiments, je les appelle tous Tiboudelard. Du coup, hop, ma partie, elle va s'appeler Tiboudelard. Voilà. Du coup, tant qu'elle travaille, je peux sauvegarder. Mais dès que mon bâtiment il est plus alimenté, entre guillemets, je peux plus sauvegarder ma partie. Tu vois le concept? C'est le Kosovar. C'est quoi ce jeu? C'est un god game, en fait. Je joue à Dieu. Tu es mon frère? Bah, pour l'instant, t'es pas encore né, du coup. Mais là, par exemple, on peut faire quelque chose d'affreux, n'est-ce pas? On pourrait rendre amoureux Elodie et Tibouchon, alors qu'ils ont les mêmes parents. Voilà, on fait ce qu'on veut. Mais là, c'est compliqué parce que j'ai qu'un couple. Du coup, voilà, vois-tu. Je sais que normalement, sur la map, hein, tu peux trouver des bottes qui te donnent des gens, en fait, des gens bleus. Mais j'en ai jamais, jamais trouvé, je vous avoue. Et faut que je place mon réservoir aussi. Alors c'est un jeu qui est en bêta, hein, qui va beaucoup changer, qui a déjà beaucoup changé. Et là ils viennent de mettre cette intégration Twitch pour permettre aux streamers de jouer avec leurs viewers, leur communauté. Je trouve ça vachement sympa. Réservoir d'eau, c'est super important parce que l'hiver, ils peuvent plus aller chercher de l'eau dans le lac parce qu'il est gelé. Qu'est-ce qui se passe? Idaï a été infecté
Après avoir bu de l'eau du lac, ben voilà, tu vois, c'est parce qu'il a pas été boire au puits, hein, ce bourse. Mon puits est pas encore fabriqué. Du coup, on va mettre un réservoir ici. Et on va prioriser le puits un peu là. Faut qu'il travaille dessus là. Allez, plus vite, Elodie, plus vite, Tibouchien. Ah bah non, c'est deux filles, je suis bête. Non, Elodie, t'as une fille ou un garçon? Ah, t'es un garçon. Juste Stay Black. Je vais devoir acheter le jeu, je te remercie pas. Oh, écoute, si tu l'achètes, n'hésite pas à passer par mon instant gaming. Voici. Guérir un Nuggets. Hop. Allez, rustique. Cher créateur, mon ami Adaï n'a jamais eu ce visage. Eu un visage très plaisant, mais son apparence a empiré dernièrement. Vous n'avez encore jamais vu ce genre de nuances vertes de ma vie. Je n'avais encore jamais vu ces nuances vertes. Ouais. J'ai essayé de trouver un guérisseur, mais ils sont tous partis à une sorte de conférence médicale. Quelqu'un a apparemment découvert une meilleure méthode pour enlever une écharpe que l'amputation. Alors ils sont tous furieux. Je ne supporte pas l'idée de perdre mon cher ami. Je n'en ai qu'un. Sa santé empire de jour en jour. Ok. Du coup, je vais faire ça. Je vais choisir mes pouvoirs. Hop, j'ai régénéré. Du coup, on va chercher le Choi Adai là. Où est-ce qu'il est? Attends, il est là. Hop. Je t'ai soigné! Voilà. Par contre, il nous faut vraiment des bébés. Oh, toi, t'es malade aussi là. C'est quoi ça? Quant à ça. Infection, ouais, c'est ça. Il est infecté. Ah, c'est parce qu'il y a bu l'eau du lac. Vous le construisez, le puits, là? Je sais pas ce qu'ils font, là. Ils mettent 1000 ans. Pourquoi ils vont là? Non, réservoir plus tard. Fini ça. Voilà. On va se balader un peu sur la map, là. Trouver. On peut trouver des boîtes, apparemment. Et dans ces boîtes, il y aurait des trucs pour se développer un peu. On va essayer de chercher ça. Recherche terminée, feu, cool. On va pouvoir faire une cuisine pour qu'ils aillent manger aussi. Pêche pour trouver des poissons, cuisine primitive. Et après on va chercher un peu l'hôpital, c'est très important. Zone de stockage, stockage d'herbe. On va balancer des recherches. Non mais bonjour le chat, salut! Salut Garus, comment tu vas? T'as ton lien IG? Bah ouais, regarde, IG. Ah putain, Wizbot marche pas! Je suis un débile. Je te le file, je vous le file si jamais ça vous intéresse. Moi, ça me donne 3%, je crois. Un lien d'affiliation classique. Merci pour le follow. N'hésitez pas à rejoindre la partie. Ah voilà, mon lien IG, c'est ça. Si vous voulez acheter un jeu, ça fait une petite notif sur le live. Moi, ça me soutient un petit peu. C'est cool. Ça vous coûte rien en plus, en fait. Et voilà. Du coup, faut que je trouve des boîtes, mais j'en ai jamais trouvé, c'est ça? Ah! Petit bouchon! Ah non! Petit bouchon et Elodie Motard sont amoureux! Vont se marier! Alors j'ai trouvé une boîte. Le ciel tombe. Ces objets mystérieux pourraient être un cadeau ou une malédiction. Ah! Elle pourrait contenir connaissances inestimables pour faire progresser votre civilisation. Du coup, ça peut soit m'aider, soit être méchant avec moi. Voilà. Hop, j'ai fait la télékinésie, je vais la ramener au village. Où est le village? Elodie, on est amoureux? On est frères et sœurs, mais on... Il est plus en stock. Ah non, sérieux, sur un stand? Ah bah, peut-être sur un autre site, je sais pas. Bon, du coup, je vais l'ouvrir, mais un peu loin du village, genre. Apporter à l'épicentre. Ah putain. C'est malin. Je vais le mettre là. J'espère que c'est pas une malédiction. Open. Oh! Pyramide. Ah, j'ai eu plein de citoyens! Ah, bah c'est exactement ce qu'il me fallait. Nickel. Ok. Il y a eu un événement. Ils ont construit ça. Ça va récolter de l'eau. Vous voyez, regarde, petit bouchon. Il arrive. Hop, il prend de l'eau. Et il va les mettre dans normalement les réservoirs. S'ils ont fini de bosser un peu là. Hop, les maisons, ça se fait tout seul. Réservoir, bon, putain, c'est vraiment des branleurs. Le puits est fait. Du coup, le puits, ils vont aller boire au puits, ça sera de l'eau saine. Pas comme l'eau du lac, en fait.
Bon, réjouissez-vous, il y aura des bébés, ça sera vous. Et là, vous voyez, genre petit bouchon là, j'ai 67 points. Elodie a 67 points. Du coup, avec les commandes, vous pouvez tout simplement faire des actions. Vous allez voir, ça va spammer au bout d'un moment dans le chat. Tu as pas repris le RP sur Ventura? Bah si, gros. On vient ce soir. Ah bah merci Kirai, c'est gentil, t'as un amour. T'as un amour. Du coup, là, j'ai 9 villageois. Et là, ma mission, étant donné que j'ai plein de rouges qui viennent d'arriver... T'es déjà amoureux, toi? Ça veut dire qu'ils sont amoureux, ça, non? Créer les nuggets selon leurs croyances. Ah non, c'est leurs croyances, ça, putain. Le problème, c'est que je peux pas filtrer sur célibataire ou pas. Je trouve ça nul. Nom de famille. Profession. Bon, très bien. Ils remplissent pas encore? Ah si, ils remplissent petit à petit. Ça, c'est vraiment important pour l'hiver parce que sinon mon village ne tourne pas en fait. Hier je t'ai croisé, bah ouais je suis là moi toujours. Qu'est-ce qu'ils me font? Ah, ils me font un temple pour me vénérer. Incroyable. Je sais pas qu'est-ce que vous devez taper pour avoir les commandes. Attendez. Check balance commande, voilà. Hop, faites ça pour avoir la liste des commandes que vous pourrez faire avec vos points en fait. Voilà. Oh putain, ça spamme tout. Évitez de trop le faire, genre. Pourvu que je sois pas le fils de Tib. Ah si, j'espère. Est-ce qu'on a un bébé, Elodie? Attends. Elodie. Ah, on a 7 ans. Oh, d'accord. Ah, petit bouchon. Attends son partenaire. Elodie, tu fais quoi? Rentre à la maison. Tu vas me mettre cher, Elodie. Incroyable. Bâtiment en mauvais état. Ah oui, il faut que je sois des ingénieurs. Ah, là vous voyez, vous avez un vote. Vous pouvez voter. Soit j'ai des extraterrestres chez moi, soit vous me donnez de la pierre. CP, c'est give creator point. Je vais baisser ma cam du coup. Là, hop. Vous pouvez voter là. Ah, The Frog, c'est notre bébé. On a eu The Frog. Alors comment il est lui? Gourmand, ce nugget s'adore manger. afin 25% plus vite. Ok. Ah, d'accord. Un vote pour me faire des petits... pour me faire enlever par des extraterrestres. Du coup, le truc, c'est qu'il faut que je rende amoureux les gens, là. Toi, est-ce que t'es amoureux? Non. Du coup, je vais saisir du monde, là. Je vais choisir mon truc Cupidon. Toi, je vais te rendre amoureux. Avec t'es un garçon ou une fille, toi? T'es une fille. Il faut que je trouve un garçon célibataire. The Frog, t'es assez grand pour faire des bébés ou pas? Tu viens de naître, c'est chaud. Ah là, il y a des hommes célibataires là. Voilà, tu vas tomber amoureux avec lui. Ah merde, t'es tombé amoureux avec lui. Bon, c'est pas grave, parce que tu peux briser les couples et tout, c'est chaud des fois. Ah bah toi, tu vas tomber amoureux avec lui. Voilà, super. Faites plein de bébés. Comme ça là, tous les gens ils pourront pop. Mort d'un nugget. Quoi déjà? Merde. Du coup, vous avez voté pour Creator Point. Oh, merci beaucoup les loulous. Creator Point, du coup, ça me donne des points ici, je crois, pour lancer des pouvoirs. Trouver un nugget perdu. Je vous en supplie, notre famille est en lambeau. Notre petit garçon. Une au bout. Le jouet d'or. Il y a tout juste une minute. Habituellement, je garde un oeil sur lui. Mais j'étais distrait par le lézard de nos voisins qui aboyait pour... On est à l'âge de pierre. Hein. Pour la 5e fois de la journée. Je me tue de leur répéter de le mettre dans l'autre jardin. Je tourne la tête. Kunobu avait disparu. Un des coursiers dit l'avoir vu poursuivre un papillon dans la forêt. Il y a des loups là-bas. Ma femme va me tuer, mais t'es déjà une femme. S'il vous plaît, ramenez notre petit. Ça est sauf. Je vous serai éternellement reconnaissante. Ok. Du coup, faut que je retrouve le Cho Baby. Il doit être embêté par des loups actuellement. Attendez, hop. Est-ce que je peux poser en attendant? Voilà. J'arrête le temps. Je vais leur demander de faire des constructions le temps que je cherche. Parce que sinon, ça va pas aller. Ingénieur, c'est le gars qui va réparer le bâtiment. On va le faire... Mon village, il est agencé comment là? On va le faire là. Ingénieur, faut qu'il soit un peu au milieu des bâtiments, je pense.
Les recherches sont toujours en cours. Le réservoir, c'est fait. La cantine. D'abord, le quai de pêche. On va. Qui veut être PQ là? Il y en a pas un dans le chat qui veut être le pêcheur? Comme ça, je le mettrai là, il fera de la pêche pour nous. Et la cantine, on va mettre une cuisinière. Hop, la cantine, faut que ça soit un peu au milieu du village aussi. Là, c'est très bien. Je peux faire d'autres bâtiments? Ça, les rustiques. Ok. Déjà, hop, je relance la partie. Voilà. Et attendez, je vais mettre en juste en play pour chercher le show parce que si ça prend trop de temps, il peut mourir. Ah merde, y a pas de bâtiment qui travaille. Y a personne qui travaille au temple. Qui va me vénérer? Pas moi-même, petit bouchon. Je peux travailler au temple. Ça va me faire gagner des points et je peux sacrifier des gens qui ont fait des bêtises. Akashin, il est né. Je sais pas si t'es l'enfant de qui, mais t'es né, gros. Chat Nuggets. Hey, Waya! T'as vu, j'ai tenu ma promesse, hein. Que Waya avait stream le jeu et je lui ai demandé son autorisation. Elle m'a dit d'accord, mais tu dois mettre une photo de tartelette. J'ai fait bon. Oh, il doit pas être trop loin du village, normalement, là. Mon village est là. C'est pas toi? Non. Ça, je le trouve pas, le chou. Trouver mon nuggets perdu. Bah merde. Je peux pas arrêter le temps, là. Ah, j'entends les loups. Ah là! Cho! Akaishin! Non! Je vais te sauver, mon petit pitou. Aide-moi! Vite! Ah merde! Oh! Help-moi! D'accord, il sait pas trop parler. Tu sais pas trop parler, hein. Je te ramène chez ta mère. Ouais. Je l'ai sauvé! J'ai sauvé votre bibi! Moi, pêcheur. T'es déjà né, celui-là? Parce que là, il nous faut un pêcheur d'urgence, là. On va voir s'il y a des célibataires aussi. Hein. T'as des célibataires? Oh là là! Toi, t'es pas célibataire. Tu peux faire des bebs. Toi, t'es pas célibataire. On doit faire plein de bebs. Ouvrier, toi t'es célibataire toi. Et l'autre derrière là, il est célibataire ou pas? Notre but c'est de vous trouver des... Arrêtez d'être aussi serré là. Non, toi t'as quelqu'un. Bon. Hop. Dis donc. Toi, tu vas te marier avec... Non, ça c'est ma femme, Elodie. Même si on est sœurs. Toi t'es célibataire, non? Putain, elle est toute seule. Oh, maison cassée. Ah, il me faut un ingénieur. Hop. Putain, j'arrive pas à tout gérer, les gars. Il y a des bébés, il y a un bébé qui va sortir. Bah, justement, Frog. Frog, t'es célibataire, non? Viens là. Ah oui, t'es célibataire. Bah, écoute, je vais te marier, d'accord? C'est pour moi. Voilà. Turnoval et The Frog ont formé une famille. Toi aussi, t'es célibataire, toi. On va te mettre avec quelqu'un, toi. Il me faut vraiment... Booba Shaka. T'es célibataire, Booba Shaka? Viens par là. Pourquoi tu veux pas? T'es trop petit? T'as quel âge? Pour pas te marier là. Ah, t'as un bébé. Ah d'accord, ouais bon. On va éviter. Belzébuth, viens par là. T'as un bébé aussi, hein, quel enfer. Et toi là? Toi t'as déjà quelqu'un, t'es déjà The Frog hein. L'enfer. Bon, faites des bébés, c'est bien. Booba Shaka inactive. Ouais, on a plein de bébés, on est combien? On est 9. Chamanisme. Ok, je vais créer l'hôpital. Très important. Mais ils font plein de bâtiments. Oh, j'ai toujours pas l'ingénieur. Ah, c'est Ellie qui est morte. Mais... Qui va faire la... L'archive, c'est toi. Hop.
Ah, et c'est l'hiver, c'est plein ça? C'est plein le réservoir d'eau? Bah bof, hein. Est-ce que j'ai assez de puissance de Dieu pour remplir? Oui! Puissance de Dieu! Voilà. Là, j'ai déclenché de la pluie. Et du coup, ça remplit mon réservoir. Bâtiment d'ingé. Il est où? Résidence, ok, ça c'est les couples qui se forment, c'est nickel. Hop, ingénieur. Priorisez-le, s'il vous plaît. Voilà, du coup c'est gelé le lac là, ça tourne plus. Et même mon truc de pêche, il va pas tourner. Ça va être un petit peu problématique. Regardez, je suis un bébé, t'es où Fury, t'es là? On va regarder tes statistiques, hein. Alors, ah bah t'es neutre, j'ai plein de neutres là, c'est quoi cette histoire? Belzébuth là, t'es neutre aussi. Bubashaka neutre aussi, mais quel enfer. Akashin neutre. The Freud neutre. Bouchon neutre. J'ai que des neutres là, c'est quoi cette histoire? Toi t'avais plein de qualités spéciales. Mais The Freud t'étais pas gourmand. Salut Fletcher, salut Cass. C'est mon jeu préféré. Ah bon? Comment ça se fait que vous êtes tous neutres là? T'as 46 points. Mais ils sont là, vos points, ils sont affichés là. Hop. Bon, ça c'est cassé, mais il faut vraiment l'ingénieur. Hein. Travaillez là-haut. Allez, Elodie, plus vite. Il manque des ressources, hein. Et après, il faudra demander de faire de l'hôpital aussi. Que l'ingénieur répare les bâtiments et c'est important. Les bâtiments. Voilà, hôpital. On va le mettre là. Hop là. Vas-y, faut rock chaque dedans. Purisé. Vous pouvez vous marier là. Belzébuth là, Bubashaka. Ça vous dit pas de trouver des... Merde, j'ai changé de pouvoir, c'est vrai. Hop, Cupidon. Voilà. Je cherche des hommes célibataires. Ah voilà, Adai. T'es célibataire? Ah oui, ta femme est morte. Belzébuth, tu vas te marier avec Adai, d'accord? Tadam! Bubashaka, on va te trouver un homme. Oh là! Akashin, t'as quelqu'un dans ta vie? Je crois que oui. Hein. Ah non! Bubashaka? Non. Ah ouais, non, toi t'es The Frog. Mince. Là, il y a des hommes célibataires, là, regardez avec une petite moustache et tout. Et n'hésitez pas, vous pouvez tomber amoureux en faisant Create Family, voilà. Ah bah voilà, tu t'es mis avec Bubashaka. Nugget Fury is adult now. T'es où toi? T'es où toi, Fury? On va te marier à quelqu'un, hein. Fury, te v'là. T'es toute rouge. Alors, Monsieur Moustache, tu veux pas te marier à Monsieur Moustache, là? Faire des bébés? N'hésitez pas, quand vous créez votre nugget, si vous mourrez, vous pouvez recréer un nugget. Et le truc, c'est que vous pouvez choisir votre genre, hein, homme ou femme, hein, vous pouvez choisir. Tout le monde a des amoureux, là. Tout le monde fait des bébés, c'est très bien. Bon, du coup, je vais lâcher l'affaire pour les bébés. L'ingénieur. Qui veut être ingénieur? Frog, tu seras notre ingénieur. Comment on fait pour join? Bah, c'est ton jeu préféré, tu sais pas y jouer. D'accord. Tu fais Create Nuggets pour être dans la liste. Genou, elle vient de naître. Alors, Genou. Ah, toi, t'as un trait faible. Ah, Genou. Ce nugget, c'est très faible.
Et à 25% de force en moins que la normale. Ah merde. Ah, comment te dire? Là, ils sont en train de faire l'hôpital. Là, ils sont en train de faire des maisons pour faire des bibis. On a notre ingénieur. La cantine est toujours pas en cours, là. Quel enfer. Finir la cantine. Ah, voilà. Casse en attente. Nana en attente. Voilà. Super. Et là, vous avez des points. Hein. Il y en a certains, là, à mon avis. Vous avez des points de ouf. Hein. Steph, Cookie France. Oh là là, quelle vacille. Cœur brisé. Cher créateur. D'accord, ce n'est pas vraiment si urgent. J'avais juste besoin d'attirer votre attention. C'était le seul moyen. C'est le seul moyen auquel j'ai pu penser pour y arriver. Mon cœur est brisé. Mon bien-aimé The Frog est parti avec une espèce de célébrité locale. Booba Chaka ne peut pas s'en tirer comme ça. À ce magnifique sourire et des tonnes de charme, vous ne pouvez pas le rater. J'espère qu'un rocher lui tombera sur la tête. Je me contenterai de le voir s'étouffer avec un bonbon au lézard. Étant un poisson. Surnoval vous demande de le venger de Booba Chaka. Je suis un dieu dictateur. Yo! Oh merde! Je voulais pas te tuer, gros! Oh non. Cœur brisé, j'ai réussi. Ben t'inquiète pas que t'es content. Booba Chaka. Du coup, tu peux recréer un nugget. Il y a eu un dommage collatéral. Oh merde. Faites des bébés là, ça craint là. S'il vous plaît. Ah, j'entends des bébés qui se font là. Ah, regardez là-bas, c'est qui? Elodie, tu... Oh bah... Ils ont dit à bébé, il faut deuxième. Bon allez. Trêve de présenterie là. Cantine. On va mettre qui à la cantine, ça va être marrant ça. Kosovar est né. C'est une fille. Oh non, j'ai pas de bébé. Je fais pas de bébé. Ah si, qu'elle est médecin, tu vas faire des bébés. Alors, à la cantine, qui va travailler? Ingénieur, archiviste. On va mettre un homme. Voilà, Elodie, qui est un homme. Je ne suis pas un homme. Qu'est-ce qui vous fait dire que je suis un homme? Voilà, hop, tu vois, à Elodie, à la cantine, hein. Facture mobile. Tissa, j'ai plus de recherche, je vais relancer des recherches. Qu'est-ce que ce sera pas? Mairie, chasse, vêtements et agriculture. On va travailler tout ça. Ah, à l'hôpital, y a personne. Alors, Fury, tu vas être infirmière, d'accord? Voilà, t'as 4 ans. t'es la docteur de la ville, voilà, à 4 ans, bonjour. Ah, mais là, je pense qu'on dit 4 ans, mais genre, ils ont pas de. Enfin, ils ont une espérance de vie qui est différente. Le PQ, il nous faut un PQ là. Le truc c'est qu'il va nous manquer des ouvriers. Hein. Il va nous manquer des ouvriers. Belzébuth, tu vas faire de le pêche un peu là. The Frog, t'es l'ingénieur. Calendrier, c'est important pour la tour météo. Ah ouais? Alors, Elodie, la petite popote. Bonjour! Vous voulez manger quoi? J'ai nous. Tu vas faire quoi? Tu vas manger? Non, t'as déposé un truc? Qu'est-ce que tu nous prépares de bon? Elodie, elle nous dit le problème principal du travail, c'est que c'est. Ah non. C'est important de goûter un plat avant de le servir, n'exagérez pas. Au point de finir la, de la marmite. Eh bien, comme j'ai tendance à le faire. Ah! Voilà, elle sera à manger à Petit Frog. Là, voilà, Frog, il prend. Le premier afro chez les hommes préhistoriques, n'est-ce pas? Voilà, il prend son petit repas. Et tout se passe bien. Tout le monde est heureux. Faut qu'il fasse des bébés là.
Qui est célibataire? Putain, je le sais pas sur ce menu là, c'est chiant. Je cherche des hommes célibes. Ah, Kosovar, t'as pas d'amoureux. C'est mon ah non, c'est le mauvais pouvoir ça, je vais pas faire ça, ça va mal se passer. Dis donc. Ah mais t'es une enfant encore. Ah non, c'est bon. Yuri. Oh, mort? Mort? Quoi? Mais il s'est passé quoi, gros? Mais pourquoi tout le monde meurt? Ah non, c'est Boubacheka, mais ils sont en train de pourrir. Ils vont nous donner la leucémie. Il me faut un homme célib. Merde. Quoi? Y'a pas assez de mecs sur cette planète. Ouh, les hommes. The Frog, t'es marié? Non, allez hop. Kosovar et The Frog, vous allez faire des gros bébés, hein, je vous le dis. Hein. Bleu pour la... rose pour la meuf. Bah, il y a les signes, ouais. Mais je sais pas s'ils sont en couple ou pas là-dessus. Mary. Pas conscient. N'hésitez pas à faire créer de famille aussi pour faire des couples. Hein. Vous avez une commande pour faire des couples. Demandez vos points. Mais ça, il faut faire quelque chose là. Oh là ! À l'aide ! Funéraire. Funéraille antique, vite. On va rusher des trucs là. Ça pour l'instant, on verra plus tard. Hop, hop. Hop, hop, hop. Des vêtements aussi, hein. C'est qui là, The Frog et Kosovar? Oh là là, ils vont faire naître qui? Oh, ils ont fait des trucs avec un renard, apparemment. Kirai. Ah, vous avez un vote. Soit vous me donnez du bois, soit vous mettez une tempête bah une tempête. Soit vous me donnez de la nourriture. C'est notre village à nous, me faites pas de mal s'il vous plaît. Hein. D'accord? Ah, il y en a, ils font la tempête. Hein. Ah vite, je vais te guérir, toi, tu vas pas du tout bien là. Meurs pas s'il te plaît. Tant mieux, va boire. On n'a pas assez de puits là entre ici et la ville, je vais rajouter un puits. J'ai peur qu'en fait il se... J'ai peur qu'il se fasse du mal. Du coup on a un hôpital, on a ça, on a la cantine, ça tourne, le temple qui est là. C'est eux qui ont décidé de faire le temple par contre. Tokia, Tokia t'es né. Est-ce que t'as genre le... Ah t'as pas de très particulier. Bon moi j'aurais dit genre rabat-joie, des trucs comme ça tu vois. Parfait. On a des nouveaux bâtiments à mettre là avec toutes nos recherches là. Ingénieur, une mairie. La mairie, on va la mettre ici, hein. Ça respamme toutes les commandes, désolé. Merci pour la nourriture, merci beaucoup. Oula, qu'est-ce qui se passe? Salut, Sanka. Pas sur la carrière, ah bon? Ça va. J'ai failli faire une boulette. Captain Trolling, hier. Yeah. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah mais arrête de boire l'eau là. Putain, je fais des puits, gros. C'est qui ça encore? Espèce de singe. Alors. Laisse-moi faire ma mairie. Parc de Cupidon. Ça, c'est pas du tout pour mon époque, ça. Elle est où ma mairie là? Ah voilà. Pas sur la carrière madame, elle a dit. On va le mettre près du réservoir. Près de la cantine, voilà, comme ça la mairie, voilà, ils peuvent aller bouffer tranquillement. C'est un village au milieu de la forêt. Stokia, tu fais quoi? Un amoureux, on va te marier, nous. Marier, hein. Comment t'arrives à écrire tout ça, si vite tout ça? Ben je suis un pro.
L'impro. Il y a une carrière là. Mais t'es bébête ou quoi? La carrière elle est là, c'est bon. Ça va. Elle va pas te casser si? Elle va te casser. Putain, quel enfer. Mais il y a des carrières partout aussi. J'ai besoin de toutes les carrières du jeu. Non. Attends. Si ça s'épuise, c'est vrai que c'est chiant. Là, ça touche pas la carrière, on est d'accord? À côté du temple, c'est très bien. Voilà. Là, c'est quoi? Ils font des résidences, c'est bien. Fletcher! Le petit Fletcher. Mais arrêtez de faire des filles! Pourquoi vous choisissez jamais votre genre, en fait? Vous voulez me ruiner ou quoi? Vous faites que des filles? Immunisé. Ce nugget ne tombera jamais malade. Incroyable. Faites create nugget mâle, M-A-E-L, ou femelle. Et puis, vous choisissez votre genre, en fait. Comme ça, vous êtes sûr d'être un garçon ou une fille. Moi, ça, il me manque des hommes célibataires là. Recherche terminée vite, parce que là, il y avait des corps qui étaient en train de pourrir là. Ils sont où les corps en train de pourrir? Mon pull. Je peux faire un cimetière? Cimetière, voilà. On va le mettre un peu plus loin. Dans ma ville, elle s'étend comme ça. La mairie est là. Le cimetière, on va le mettre là-bas. Loin de tous. Tout se passe bien. J'ai deux bébés. Je vais devenir un homme, j'espère. Bute mon bébé. Ou alors je serai raide. Crate family. Bien joué, solitaire. Quand tu places tes trucs, je vais mourir, mais quoi? Mais je les laisse... Le cimetière, je vais pas le mettre en plein centre-ville. Yarakashin y va, c'est bien. Je veux un village procédural. Regardez, c'est beau. Regardez les petites maisons, il y a qui là? Frog family. Il y a Frog. Il y a avec Kosovar, ils sont amoureux. Oh non! T'es toute seule! On va te trouver un amoureux, toi. Viens par là. Ah ouais, mais il y a que des filles célibataires. Okay. Ah, vous deux! Merde, Cupidon, vite. Ah, faites des bébés. Reboisement, ouais, ça je sais, je peux remettre des arbres. Sans problème. Casse. T'es là, casse, t'es né. Gourmand. D'accord. Du coup, t'es la fille de Genou et de Fury. Oh, c'est mignon. C'est bien. Grave le sage, j'en attends ça. On a quelqu'un qui travaille ici, oui, Geno, c'est Fury, est là. Elle passe le plus beau. Ah non, elle fait des potions. Regardez, avec des têtes de mort et tout. Rigole zéro. Faites-moi ce cimetière, plus vite que ça. Aruya est née aussi. Fury, 100 points, t'as 100 points, faut les dépenser, hein. Ah merci Frog de remplir le réservoir. Fletcher, t'as pas assez de points, t'en as encore 22. Tu peux pas te marier encore. Calme-toi. Alors est-ce que j'ai débloqué d'autres bâtiments? Cantine qui est... Entrepôt. Entrepôt, on va le mettre avec centré de la ville aussi, hein. On va faire une zone industrielle, genre, entre le cimetière et la ville. Du coup, l'entrepôt, il va se trouver là. Voilà. Et tout autour, il y aura des trucs de transformation. Là, je suis en train de débloquer quoi? L'agriculture. Du calendrier. Du calendrier, du coup, je peux faire la tour aussi, la tour météorologique. Ah, ça fait des bébés. Il y aurait besoin d'un peu plus de musique genre dans le jeu, non? Hop, hop, pizza. Voilà. Ok, là, je tourne. Tour de prévision. Je vais mettre là. Derrière là. Ou alors...
Ah, on a pas eu lu de mer. On va la mettre là, la tour, là, à côté de la mairie. C'est trop bien. Alors, on n'a pas eu de maire. Qui est le maire de chez nous, Fletcher? Tu voulais le pouvoir? Tiens, t'es maire maintenant. Et je te laisse asseoir. Salut, Morades. Cookie France est né. Ah, un petit garçon. Tu vas me servir, toi, mon petit pote. Hein, paresseux. Bah, putain, les gars, vous m'aidez vraiment pas. On est 17, il y a 3 bébés en route. Tu vas faire quoi, nana? Casse est adulte maintenant. Tu peux créer une famille? Ah non, t'as que 11 points pour l'instant. Vous voyez, elle a une grosse barbe. Nana. Un enfant, toi? Encore un bébé. Tokia, tu fais quoi? Oh! Oh non! Mais quoi? Mais t'es même pas avec lui? Oh! Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a Charo à caille. Elle va pas l'emmener dans sa baraque le premier soir. Elle va pas faire ça, gros. Oh non, elle va travailler. Oh, tu t'es pris un vent, gros. Ah bah, en tout cas, vous êtes amoureux maintenant. Aïe. Y'a Cass ici, là. Je vous laisse utiliser vos points, là. Je vais pas choisir votre amoureux à votre place. Hein. C'est exactement le gif qu'il fallait mettre. Putain, merde, mon café est déjà froid. C'est quoi ça? Ah, c'est le cimetière. Y'a qui dedans? Personne, les autres ils ont pourri. Avec ce niveau de bonheur aussi élevé, il semble que les pépites deviennent plus croyants. Ouais, d'accord, c'est les nuggets. La différence entre l'eau et un. Bah ouais, mais. Pourquoi ils en rendent malade ces bourges? J'ai fait deux puits là. Regarde, j'en ai un là, j'en ai un là. Peut-être que j'en mette un là ou là, je sais pas. Bambou bourse aussi, hein. Agriculture, on peut faire les fermes, ça y est. Bon, tour de guet. On va chercher les défenses après. Après, on va faire raffinement des matériaux. Éducation. On verra plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on peut construire maintenant? Des fermes. Voilà. À côté de l'entrepôt, nickel. Mon entrepôt, il est où? Il est là-bas en train d'être construit, ouais, c'est ça. On va mettre une jolie petite ferme. De là. Prairie. Comme ça, ils vont commencer à me cultiver des trucs. Oh! Calamastia! Et Zeit. Calamastia. Gourmand. Bah, t'es un petit garçon. 3 candidats sélectionnés. Oh lolo! Le vote pour le commandant. Alors, on a Tibouchon, études accélérées, Elodie, assistance à personnes âgées. Oh non, personne n'aime les vieux. Et Kunumbu, c'est pas un viewer, c'est un premier arrivant. Nourriture pour tous. Du coup, les gens votent. Hop, là, c'est là. Les gens votent, et vous pouvez voter vous aussi dans le chat. Et moi, je peux mettre un petit peu mon influence de dieu. Études accélérées. Mais le rythme. Ah, Tibouchon, c'est pas ouf, hein. Elodie, assistance. Les vieux peuvent s'accoupler. Oh oui! Les vieux peuvent s'accoupler! 30% que les couples âgés meurent pendant l'accouplement. Vas-y, let's go, Elodie! Les vieux! Ah, je suis mort! Ah non, votez complètement pour Elodie, les gars, là. On veut que les vieux ils s'accoupent, non? J'ai mis mon influence, mais ça marche pas beaucoup. Ils veulent pas voter, mes petits loulous. Qu'est-ce que. Ah oui, la ferme.
L'entrepôt est là. Ah, j'ai des petits trucs. Et... Putain, mon village se passe super bien. J'ai déjà vu des parties où c'était affreux. Là, ça se passe super bien. Le duché qui tape tout ce dessus, là, je les vois pas. Il se construit tout seul. Il rapporte des ressources. Après, il y aura un truc de chasse. Oh, on va commencer à être bien, là. On va commencer à être bien. Nana qui farm. Bien joué, Nana. Fais-nous un joli petit... Ah, Weya est amoureux avec Kirai et casse avec Fletcher. Weya, agressif. Quoi? Mais calme-toi, gros. Mais comment... Elle a rejoint un autre camp? Qu'est-ce que tu fais, là? Tu vas où? Kirai, ton amoureux, il se barre, gros. Ah, Kirai à la pêche. Non! Reviens ici! Qu'est-ce qu'il fait? Mais t'as complètement craqué, Oya, ou quoi? Oh, on se prépare pour un rendez-vous. Oh là là. Non mais elle a... Tu sais ce qu'elle allait faire? Elle est fondée un autre... Oh, t'as le bras cassé. Nouveau leader, célébré. Les vieux, allez-y. Lâchez tout. Oh, c'est le meilleur jeu du monde. Fletcher, il casse. Par contre, t'as un bras cassé là, Fletcher, là. Je vais te soigner. T'inquiète pas, mon petit loulou. Déjà que je me suis fait engueuler hier alors que tu m'as pas suivi en moto là. Tiens. Le macadam. Il nous rejoint. Ouais, j'ai beaucoup trop d'habitants. Par contre, Weya, tu fais plus jamais ça, genre. Nana. Oh, Nana. Ils sont amoureux avec Cookie France. Les chats, ils voient les vieux, hein. Oui, hein. Ils arrêtent pas. Putain, ils ont combien de gosses? De Frog et Co. Ah, bah, ils arrivent. Il doit être mort, là, enfin. Ah, ça baisse dans tous les coins, gros. Oh. J'en peux plus de cette ville. Ça me fait plaisir, vous êtes tous là et tout. Oh! Découverte de la nourriture. Collecter et déposer de nouveaux types de cultures dans la ferme avec le pouvoir télékinésie. Cordialement, Calamacia. Ah, c'est Calamacia, elle me dit un truc, il faut le faire. Calamacia, je t'écoute. Nous avons cultivé la même chose maintes et maintes fois, ce qui devient un peu barbant. Ouais, Calamacia, elle se fatigue un peu vite des trucs. Oh, elle a trouvé un amoureux là. Non, je coupe voilà, en attendant. On ne peut vraiment pas faire de salade de fruits avec un seul type de fruits. Et manger tout autant de fruits. Diarrhée sanglante provoque. Ah. D'accord. Certains effets indésirables. Oui, oui. Il doit bien avoir autre type de culture à proximité que vous pouvez essayer. Si vous m'entendez. Bon, on va accepter. Alors. Là, choisissez une culture. Merde, qu'est-ce qui est le mieux? On va leur donner un bazar. Il faut que j'utilise ma télékinésie. Télékinésie, alors faut que je trouve un fruit. Un fruit? Non. Ah, chocheta, fruit l'eau. Malina. Là, tu vas cultiver ça, Calamacia, d'accord? Du coup, j'ai débloqué un deuxième truc là, on est d'accord.
Ah ouais, voilà, Malina. 4, mais ça donne 14. Ça indique la quantité d'eau nécessaire. Ah ouais, c'est un peu. Oh. Ça donne énormément, mais ça coûte plus d'eau. Mauvais biome. Ah! Biome forêt. Oh bah, Nictaras. Oh non! Mon réservoir d'eau, il est plein, ça va être l'hiver, gros. Aïe aïe aïe. Je vais en faire un deuxième, vite. Vers la ferme et tout, ça aura besoin. On en aura trop besoin. Vite! Ma vie pour Narnia. Parfait. Priorisez, s'il vous plaît. Ah, maintenant j'ai des indications et tout. Il fait moins 10. Ça va, Fletcher, à la mairie? Bonjour. On débloque plein de trucs. Ça va vite, hein. Et Calamacia? Je suis la fermière, patati. Comme sur. Elle a fait une ferme automatique, comme sur Minecraft. T'as pas assez de pompes à eau, quoi? Ah bah là ça va être gelé. Bah si, God. Faut que j'en fasse une deuxième. Eau restante. Oh, ça s'est arrêté en plus. Bah pendant que voilà, c'est l'hiver, on va procéder à de la maintenance pour optimiser. Et on a plein d'invectives là. Allez construire des trucs là. Oh, ils se reposent sur leur laurier là. Oh les amis, putain. Oh là. Regarde automatique, ah d'accord. Par contre, la musique du jeu, bonjour. Ah voilà. Ah voilà, une petite musique. Ah, il s'est arrêté. Quel enfer. Qu'est-ce qu'on peut construire maintenant? Tac, tac. Après, on pourra faire les améliorations de bâtiments aussi, hein. Nous. Hutte de chasseur, hôpital, ça. On va faire la hutte de chasseur, on va la mettre dans la forêt au fin fond. Avertissement, loup errant, quoi? Oh non, ils vont se faire bouffer, j'en suis sûr. Que quelqu'un m'épouse, mais t'as épousé. T'as épousé quelqu'un? Graham qui nous rejoint avec Captain Trolling. Stokia est tombé malade. La bulle eau impure du lac. Mais Stokia, t'es où, punaise? Attendez. Je vais voir où c'est qu'il boit du. Tu me fatigues, hein. C'est vers là-bas. Du coup, je vais mettre un puits dans le coin. Effectivement, il n'y a pas de puits dans ce coin-là. Ah là là. Déjà, quel charreau tout le monde là. Un peu ralentir la vitesse de jeu parce que sinon je vais me faire dépasser par les événements. Faut que je surveille là qu'il n'y ait pas mes petits loulous qui se fassent embêter par les loulous. Je me suis compris, c'est tombé. Le cimetière, y a qui dedans? Y a personne, c'est bien. Ah, fossoyeur kosovar, c'est un joli métier. Oh! Il brûlera les corps au lieu de les enterrer. Ouh. Ah, Cass et Steph sont amoureux. Bravo, Toxic est amoureux avec Zayt. C'est bien, ça se développe. La petite hutte là. Crate Family. Putain, et Wizbot, il est toujours cassé, hein. Tour de guet, recherche terminée. Bah ça, je vais mettre ça pour protéger mon village là. Cass attend son partenaire, Coquinou. Nugget mort, non! Pouvoir télékiniser pour récupérer le cadavre et le placer dans le cimetière. Ah, faut que je le fasse moi-même! Ça va, les gars? Il est où le mort? Ah, c'est Steph! Non! Adieu, Steph. Putain, et du coup, je dois le chercher, là. Ah, vous avez un vote! Attendez. Coupe la partie pendant que vous votez. Ah, il est là. Oh, mais qu'est-ce qui lui est arrivé?
Oh, Cass, ton mari est mort. Il s'est fait déglingosse par les loulous. Non. Désolé, Cass, t'es veuve. Voilà, elle tombe amoureuse. Faudra trouver quelqu'un d'autre. Et voilà, petite tombe pour Steph. Gloire, voilà. Paix à son âme, il s'est battu contre les loups pour construire un puits pour le... Voilà, pour essayer de sauver sa communauté, mais voilà. Des belles débuts. Faut que je fasse attention, là. Ah merde, il y a un mort aussi là-bas. Mais putain! Il s'est fait déchiquetouille. Oh, attends, tu vas être malade, sinon, toi. J'ai réussi ma mission. Supprimer l'infection. Une vilaine zone d'infection se propage. Quoi? Régénérer avant de nettoyer la zone d'infection. Ok. C'est Tibouchon qui parle. Ok, bon. Elle est où la zone d'infection là? Elle est là. Oh, oh. Mais quel enfer! Mais comment je fais pour vivre moi? Wouhou! On débloque plein de trucs. Bon, ça c'est fait. Du coup la hutte là, mais je protège maintenant, je surveille. Oh, il fait tomber quoi des... Ah, c'est de... Je protège maintenant mes petits loulous parce qu'il y a... Il y a des bêtes sauvages. Et je suis en train de perdre des nuggets. 5 enfants. Quel enfer, on va être plus de 30. Kirai est amoureux avec Cass. Et Cass t'enchaîne de ouf, hein. Oh, je suis veuve. Oh, j'ai quelqu'un. Oh, je suis veuve. Oh, j'ai quelqu'un. food, merci beaucoup. Wood, merci beaucoup, ça m'aide bien. Est-ce qu'on a fait le deuxième réservoir? Oui, il est là en plus, il est plein comme du boudin, c'est nickel. Du coup, l'hiver va bien se passer normalement. Tef est dans la liste d'attente. T'as choisi ton genre? Ah oui, mal, bien joué. Il nous faut des hommes, des vrais. Je vais rechercher... Il y a une amélioration de puits, je crois. Puits creusés, voilà, je peux améliorer les puits avec ça. Je vais faire ça, parce que mes puits là, pour l'instant, ils sont un peu de la merde. Oh là là, ça part dans tous les sens. Système de poulies, capacité en haut du puits, ministère de l'eau. Et ça, ça fait quoi? Débloque le ministère de l'eau. Qui veut être le ministre de l'eau? Bicep en béton. Vitesse de déplacement de nuggets. Du bœuf. On veut du bœuf. Regardez ça, c'est la communauté. Oh Fury, regarde comment t'es stuffé. Oui, la chamane. Et Kirai et Cass là. Quoi? Attends, ils sont trois là. Il y a Kirai, Cass et Casanova. Hein? Kirai, Cass, mais Casanova, tu fous quoi gros? On est d'accord, il y a son pseudo aussi. Attendez, on va attendre. J'attends la sortie, qu'est-ce qui se passe? Ah non, c'était Kirai Powa en fait. Oh bon, d'accord. Vous avez fait des bébés? Il y a plus de gens qui sont en attente de naissance là, vous êtes tous nés là. Oh, regardez, un entrepôt bien plein là, on est bien. On est bien. Après, c'est dur de savoir dans le jeu qu'est-ce qu'on manque, qu'est-ce qu'on est bien, qu'est-ce qu'on n'est pas bien, tu sais. La dactyl Tibouchon, le macadam qui me vénère. Je peux sacrifier quelqu'un si je suis pas content. Franchement, pour une bêta, le jeu, propre de ouf quoi. Super cool. Hello Oki. Je vous l'ai pas dit, hein, mais vous pouvez être un peu des racailles genre dans le jeu. Vous avez des commandes, vous pouvez tuer des gens, enflammer des bâtiments, et si je le vois pas, je me fais niquer. Enfin, vous pouvez être affreux quoi. Je vous le dis. Mais j'espère que vous allez pas le faire. Genre ce cas, t'as 150 points, je crois que tu peux même de finir une recherche plus tôt, tu vois. Puis madame de tenir toute seule. Ils ont enfin fini le puits, ben il serait éteint. C'est le puits qui est là-bas au fond, là. Comme ça, ils auront pu boire au lac comme des bobours. Ah, casse.
Oh là là, je regarde. Je vois la météo. Trop marrant. Et Fletcher est tout seul dans sa mairie. T'es conscient que tu sers à rien, gros. Je... Voilà. On te dit. Et Ludie Motard qui est la gouvernante. Gouvernante à la popote, hein, comme ça elle peut faire du meeting politique directement dans son restaurant. Tay Black le macadam, bravo! Je gère les finances, tu peux pas comprendre. Ah, d'accord. Ok. Ok. Deux chasseurs, il nous faudra un chasseur là. Prévision métaux, hôpital, lutte de chasseurs, tour de guet. L'ancien village a fait travail remarquable. Ça sert à quoi? Inspirer une nouvelle stratégie. Bon, tour de guet, on va en mettre une ici. Voilà, je vais en mettre plusieurs. Pour sécuriser la zone. Ok, qui on attend de naissance? N'hésitez pas, vous êtes peut-être mort. Hein. N'hésitez pas à faire une tour de guet là. Faut que ça englobe un peu le village quand même. Voilà, et je vais en mettre une troisième au sud ici là. Faites la mairie pour protéger notre mère Fletcher. Ok, c'est la carrière, sinon. Va crier madame. Ouais, comme ça, si on se fait attaquer, au moins. La hutte de chasseur, j'aimerais bien voir ce que ça donne là. C'est Gram le sage. Gram le sage, le petit chasseur solitaire et itio. Choisissez le type d'animal. On est trois du coup, petit. Non, on va faire moyen. Vous êtes trois. Ah, regardez, ils y vont. Let's go, allons-y. Piège moyen. Voilà. Ah, je peux poser le piège, excellent, on va le mettre là. Oh, allez-y. Yo, yo, yo. Oh. Tadam, 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 tadam. Qu'est-ce qu'ils vont attaquer, gros? Qu'est-ce que tu fais? Il s'est cassé un os. Ah. T'as attaqué l'ours, ça a pas très bien marché. Faites attention à vous quand même. Ah non, ils ont tué un petit truc. Une tortue. J'ai cru que c'était des vrais guerriers et tout, qu'ils avaient genre... Ils allaient attaquer l'ours et tout. Non, non, la petite tortue en fait. Hé! Putain, Stokia, t'es où? Attends. Tu vas essayer de voler quelque chose. T'inquiète pas. Versto, Stokia, t'es où là? Hein? Gardez, elle a mis une cagoule! Hé! Tu te calmes! Qu'est-ce que tu vas faire? La première gangster de notre village. T'empêcher là. Voir ce que tu vas essayer de voler. Dissidente. Ah! T'as volé quoi? Construction terminée. Alors? Voilà. Tu te calmes maintenant. Construction terminée. D'accord. Alors, ils ont fait le piège ou pas? Les petits chasseurs, ils ont là. J'espère qu'ils vont faire le piège. Je serai effectif. C'est joué. Elle ramène les ressources pour le construire. Ah, regardez, une bête.
Il y a un ours juste là, vous pouvez, genre, vous pouvez pas le tuer. Il y a une bête dessus. J'ai 33 nuggets sur Lola, cette vie immense. Hop, on va accélérer un peu le temps. J'ai fait les tours de guet, nickel. Le châssis. Faudrait qu'on pense un peu à décorer maintenant. Quelle pièce ne ressemble plus qu'à une ruine. Bah pourtant on a un ingénieur, non? Kira, il s'est cassé. Cliquez pour démolir, non. Ah, les tours de guet, elles sont en train d'être finies. Yeah, on a des guerriers, regardez ça. Le policier ici. Premier policier de l'Antiquité. Alors bon. Peut-être qu'il se déplace pas assez loin. Non, c'est où, ingénieur? C'est là. Ah ouais, il est pas dans la zone d'action. Oh putain. Il me faut un deuxième ingénieur. Entrepôt. Ça doit être là. Alors, ingénieur. Je vais en mettre un qui va englober. Là, ça englobe bien. Ouais, je vais en mettre un qui va englober là. Nickel. Comme ça, ils seront plus efficaces en plus. Gram le sage est amoureux. Avec Belfefu. Kirai avec. Hey Kirai, t'es dans l'élite de tout le monde là. Qu'est-ce qui se passe, gros? Attention, hein. Calmez-vous. Ah, t'étais ma femme, mais oui, tu l'as trahi. Je suis chaude. Oh punaise, je vais mettre de la musique de fond parce que je trouve que la musique de jeu elle vient pas assez souvent là. C'est dommage. C'est dommage. Mince, il est où mon truc de musique chill là? Voilà. Voilà, ça va être bien. Ok, je peux pas être la femme d'un seul gars. Oh bah on a vu ça, putain. Vous voulez pas avec vos points finir des recherches là pour moi, là pour que ça aille vite? Que là on est en raffinerie de matériaux, après des buffs. Les buffs en vrai je vais les enlever. C'est pas la priorité. Faut que j'améliore aussi mes puits. C'est une meilleure influence. Après l'éducation, c'est pas mal. Culture c'est quoi? Débloque le nom de famille. Oh! Ah ouais, mais après ils vont dire ouais. Kira, genre s'il a un nom de famille, tout le monde saura que c'est un charreau en fait. C'est ça le problème. Petit village de l'amour. Ah ouais, ça se passe bien là pour ça. Comment je peux faire pour les rendre heureux, pour leur rendre ce qu'ils me donnent? Éclair de joie. Ah voilà, ils sont contents. Ah, oh, c'est qui est blessé là, dis donc? Curry qui est en train de soigner qui? Del Rio. Oh, petit bouchon mort avec 400 points, what? Raffinement de mieux. Arrêtez! Akashin. Ah, merci, tu m'as fini une recherche, Akashin. Mais non, il est mort, petit bouchon. Oh, j'étais vieux. Les vieux commencent à mourir. Quelle indignité. Mais le fossoyeur il veut pas aller chercher genre. Ah ouais, mais parce que le cimetière est méga loin. Oh non. Quelle erreur. Faut que je mette un deuxième cimetière vers genre là, vers là-bas. Vite. Quoi? T'es sérieux gros? Toxique, tu casses les couilles, gros!
La pluie. Eh, ça va, ouais. Attends, t'es où? Viens là, viens là. Tu t'es pris pour qui? Tu fais l'innocent. Tu fais l'innocent. T'es calmé maintenant? T'es calmé? Je vais créer mon nugget, moi. J'ai 400 points, je pourrais finir la recherche que je veux, quoi. On va améliorer les... Il me semble que les... Oui, je peux les améliorer. Non, pas encore. Prochaine ressource. Prochaine truc. Mais j'ai débloqué quelque chose d'important là, je crois, dans la fabrication. Popo, toc toc toc. Anti, ok. Ah voilà, raffinerie de pierre, raffinerie de bois. Du coup, ça, je voulais les mettre près de l'entrepôt et près de la forêt. Mais sauf que j'ai, ils ont mis des maisons partout aussi. Du coup, je vais les mettre là. Alors là, raffinerie de bois. À côté de la forêt, logique. Ok. Je te jure, pourquoi tu cries? Comme toi, gros. C'est qui l'a enflammé? Le tueur, calme-toi. Attends. Ça va aller, gros. Vous me saoulez en fait. Tu me saoules, Fletcher. T'es le maire, gros, tu te fais sauter, c'est quoi ton problème? J'en peux plus. J'en peux plus. Eh, mais t'as tout fait péter aux alentours, non? Oh. Et mon cimetière? What the fuck? Oui, oui, oui. Et il est en fantôme là, bah tu m'étonnes. Allons fuir, gros. Il faut refaire un cimetière. Arrêtez de faire ça, hein. Il est où le cimetière? Il est là. L'enfer. Je peux pas le faire plus proche. Arrêtez de me faire des misères. Que j'avais construit l'autre cimetière de l'autre côté là. J'ai demandé un cimetière aussi de ce côté là, ce serait pas mal. Ah merci pour la stone les loulous. Vous êtes gentil au moins vous. Au plus de fossoyeurs. Mais arrête, police, wow. Putain, je trouve jamais les bâtiments là, comme c'est des... Il y en a déjà un qui est là-bas. Bah, ah, bah il couvre tout en fait. Oh, hé oh. Non, non. Comment je vais te sauver, Nana? Nana! Non!
Quoi, j'ai pris un arbre, mais... J'ai tout fait pour te sauver.